Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Entre les lignes, nous recevons ce soir avec beaucoup de plaisir Colette Sephora, journaliste, présentatrice radio. Elle ne fait pas que parler, elle écrit et elle est donc à son premier bébé, Élévation, un recueil de poèmes. Bonsoir Colette. Bonsoir Christelle. Et merci d'être là. Je vous en prie. Alors, vous, votre mentor, celui qui vous a poussé à écrire, c'est Baudelaire. Oui. Pourquoi Baudelaire ? Pourquoi Baudelaire ? Parce que pour moi, Charles Baudelaire est une rencontre providentielle. Mmh. Après avoir lu les premiers vers de l'auteur, j'ai été tout de suite attirée, je me suis entichée de sa façon de faire. Vous le savez, j'ai pu le dire peut-être avant que nous commencions cette émission, c'était une période de sortie d'adolescence. Mmh. Et pendant cette période, j'avais un ressenti à exprimer et je découvre... Quel ressenti ? Bon, c'est un mal-être. Et ça, c'est une expression que j'utilise assez souvent lorsqu'on me pose cette question. Mmh. Un mal-être parce que dans la période de sortie d'adolescence, on se cherche encore, mmh, en envie. Parce que là, on sort de l'école, on va affronter la vie réelle, j'ai envie de dire, sans artifice, sans protection paternelle ou maternelle. Et c'est dans cette période de ma vie... Ils étaient quand même présents. Bah oui, mais absolument. On va seul au champ de bataille, évidemment. Absolument, bien sûr. Et c'est aussi l'occasion pour moi de les saluer, papa et maman. Je reconnais tout ce que vous avez fait pour moi, mais ce que je voulais dire en fait, c'est que je sortais de cet univers scolaire où on est surprotégé par papa et maman, et là, j'avais envie de livrer bataille à la vie, comme si j'avais quelque chose à lui devoir, je ne sais pas. Et donc pourquoi. C'est Baudelaire qui vous attire ? Oui, c'est Baudelaire qui m'attire. Quel est le poème qui vous a attiré chez Baudelaire ? Le premier poème que j'ai lu de lui, c'était Élévation. Élévation. D'où le titre de votre œuvre ? Peut-être pas, parce que c'est là tout, j'ai envie de dire, l'aspect comique de la vie, parce que je n'ai pas pensé à Baudelaire en intitulant cette œuvre Élévation. Mais ça vous fait penser, nous, quand on lit votre parcours, votre, j'allais dire votre parcours initiatique. Mm-hmm. C'est vrai que vous avez fait quand même l'apologie de la poésie version ivoirienne. Absolument. Les différents maîtres, mais on se retrouve forcément à la case départ qui est Baudelaire qui vous a qui intéressé. Est Baudelaire, oui. Ouvrons donc les pages avec votre permission. Je vous en prie. Et puis voyons un peu, vous, votre style, c'est le sonnet. Mmh. Mais je pense que Dr Jay va rentrer dans ces détails techniques. Mmh. Parlons un peu des écrits, de vos textes. Mmh. Déjà, quand on commence le poème en disant « touche-moi », « oh oui, touche-moi », oui, on y est plein dans l'acte. Oui, c'est presque une invitation même. Mmh. Bah, oui, c'est une invitation. Pour le lecteur qui épluche l'œuvre, effectivement. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas vraiment un thème que je défends en tant que tel, c'est surtout un prétexte. Et puis arriver juste à côté, Martyr d'un soir. Martyr d'un soir, effectivement, ce poème a été inspiré après les événements récents vécus en Côte d'Ivoire. J'ai pensé à ces personnes qui sont tombées sous les balles assassines. On ne va pas revenir forcément dans cette histoire profonde, mais c'est à ces personnes-là que j'ai pensé. Je me suis dit, pourquoi ne pas leur dédier un poème ? Et c'est ce que j'ai fait. Pourquoi justement, dans une des strophes, vous parlez de David Diop ? La troisième, je ne t'ai jamais connu, dit David Diop, mais je t'ai reconnu dans mon cœur, je te vois, je ne suis pas myope, je te vois, revois ta bravo, ton sang-froid, et je ne peux m'empêcher de revoir ton sang noir, dur, froid. Oui. Pourquoi vous faites mention ici de David Diop, juste parce que j'ai utilisé l'un de ses vers. Je ne t'ai jamais connu dans Afrique, mon Afrique. Oui, Afrique, mon Afrique. Je ne t'ai jamais connu, mais je t'ai plutôt reconnu, comme je l'ai dit. Mm. C'est aussi de l'exercice poétique. Mm. Et pour avoir utilisé l'un de ses vers, je l'ai cité. Et c'est aussi une sorte d'hommage à l'auteur. D'accord. Et vous rendez également hommage à ces femmes qui enfantent. Oui. À la page 56, vous dites bébé, doux bébé. Oui. Oui, c'est aussi... Et là, vous le dites avec un sourire. Oui, parce que j'aime vraiment les bébés. C'est aussi un rêve que je chéris, d'être maman. Certainement, ça va venir. Mm. Donc, je me transpose dans cet univers maternel et je parle de cette relation entre mère et bébé, j'ai envie de le dire ainsi. Les bébés, ils sont tout mignons, ils sont tout innocents. Et c'est, voilà, c'est pour que j'ai... Par contre, à la différence des autres, de certains autres poèmes que vous avez... bébé, doux bébé, c'est pas long du tout. Du tout, oui. Alors, enfin, tout à l'heure, vous avez expliqué la longueur du poème, à la passion que vous avez,
a l'envie un jour d'être mère. Oui. Mais ici, bébé tout bébé, on a juste le titre, je crois, mm-hmm. 4 strophes. Après, on les bébés sont tout petits. On est loin de 6 strophes. Hein. Bon, les bébés sont tout petits, il n'y a pas grand-chose. Vous avez mis en avant la douleur qui fait 6 strophes et bébé tout bébé qui est la vie qu'on va célébrer. Vous n'en faites que juste que 4. Donc, ce n'est pas contre la vie que je l'ai fait. Comme je l'ai dit, les c'est bébés... C'est rassurant. C'est, oui, absolument, c'est rassurant. Les bébés sont tout mignons. Il ne faut pas en dire trop parce que le moins on dit, le plus profond, ça paraît. Voilà, donc les bébés, ils sont mignons. Tiens, comme explication. Le moins on dit, le plus profond, ça paraît. Oui. Alors, dans ma plume, est-ce que vous ne vous célébrez pas dans ce texte-là? Oh, vous, dites à la page 57, « Ma plume a des allures légères et éventées. Quand la fait valser le vent du septentrion ou de l'Orient, elle est inconstante, insolente, sans vergogne, pourtant sait se taire. » C'était trop longtemps, trop souvent, on croit qu'elle va s'éteindre, va s'assécher, mais que non, elle n'a pas encore fini de se déhancher. Oui. Alors, ma plume, ce n'est pas forcément... La vôtre ? C'est ma plume c'est à moi, plume. Mais ce n'est pas un hymne à ma personne. On a l'impression. Non, du tout. C'est plutôt l'amour que j'ai pour elle que j'essaie de célébrer ainsi. Parce enfin, que vous célébrez vous-même. Non, vous plutôt... Vous célébrez la plume. Oui, la plume mais c'est quand même qui vous entre qui mes là. Mains... qui quand même entre mes mains fait des exploits, des choses que moi je considère comme exploits parce que c'était quand même un moment d'intimité parfaite que je ressentais lorsque j'avais ma plume en main, j'écrivais ce que j'avais envie d'écrire, je me laissais mais aller. Mais c'est pas méchant c'était... de se célébrer, vous savez. Oui, c'est pas méchant, mais c'est pas ce que je faisais. Ça va venir peut-être, mais là, non. D'accord. Alors, à la page 59, on a larmes. Oui. Et là, je me suis interrogée. Vous exprimez une douleur ici ? Absolument. Lorsque j'étais aux prises contre les écueils de la vie, arrivé un moment... C'est le titre d'un roman ? Oui. Les écueils de la vie. Oui, absolument. Voilà. Et je me disais, ça ne va donc jamais s'arrêter tout ça. Et imbu des émotions profondes que je ressentais, je ne pouvais plus m'empêcher de lâcher une larme, en fait. Et c'est d'elle là que je parle. Et vous demandez à ce qu'elle parte, sèche, disparaît la larme ? Oui. Des sillons d'un trait de main s'envolent. Oui, parce que effectivement, dans la plupart de mes poèmes, je termine par une note d'espoir, parce que je crois en un futur glorieux pour moi et pour tous ceux qui traversent les épreuves. Et après avoir vu l'arme à la page 59 et à la page 60, on a calme plat. Oui. Et encore, c'est toujours le jeu. C'est toujours le jeu. C'est vous ou c'est quelqu'un d'autre? C'est encore moi. C'est encore vous. Bon, on ne va pas revenir au débat de se célébrer. Mais il y a un poème qui m'a fait vraiment rire et sourire. D'accord. Adieu, moustique. Oui. Ce fameux poème, j'ai envie Alors, de dire. Je me suis dit, soit c'est une histoire personnelle, ou soit c'est vraiment une invitation, un plaidoyer pour que les moustiques, justement, la laissent tranquille, oui. Laissent le peuple tranquille. Absolument. Vous dites, disparaît, horrible, être en miniature. Avant que sur tes ailes, tu ne reçoives ma chaussure et que je ne te donne des boursouflures à ton petit corps, j'ajouterai de la mesure. Oui. Alors, ça parle d'où ? Mais en fait, pour tout savoir et tout comprendre, c'est que moi, je vis dans la partie sud d'Abidjan. Et vraiment, là, on pour ceux qui nous regardent de l'extérieur, la partie sud d'Abidjan, on a quel quartier ? Donc, moi, principalement, je suis dans la commune de Koumassi. Koumassi. La Marcourie, Tréjouli. Exactement. On est après ou derrière le pont, comme les gens le disent. OK. Et le donc, troisième pont, quand tu as dit derrière le pont, c'est le troisième pont d'Abidjan. D'accord. Voilà, allons-y. Eh bien, malheureusement, dans cette partie d'Abidjan, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais là-bas, on a vraiment beaucoup de moustiques. Mmh. Ils sont insupportables à un moment, puisque les insecticides ne peuvent plus rien contre eux, parce ah qu'ils bon. Sont très... ils ont des crocs, je pense. Parce ils ont développé des anticorps contre Absolument. Les moustiques. Mmh. Ouais. À 23 heures, vous ne pouvez pas rester là, comme ça, au salon. Vous avez une moustiquaire imprégnée, j'espère. Mais oui, mais arrivé à un moment... Ils entrent quand même dans bah la oui, moustiquaire. Ils sont très coriaces, donc à un okay. moment, je me dis, comment je fais avec eux ? Bah, j'ai une plume, je vais écrire contre eux. Si je ne peux pas les supporter, je peux au moins écrire contre eux. Et c'est j'espère ce que j'ai qu'ils fait. Vont lire. Oui, j'espère. Alors, vous dites, ta pince dans ma chair est une morsure ouais. et y a laissé à sa surface de rubicons des gratinures qui, pendant mon bain, me causent des brûlures. C'est encore moi. Mon doux plaisir m'est devenu une torture. Oui. Alors, le bain qui est donc un plaisir pour vous est devenu un moment que vous redoutez. Oui. À cause justement des moustiques. Et ce qui m'a fait rire encore, vous dites tu bourdonnes et laisses à mon oreille
de souvenirs de tes dégoûtants, de dégoûtants murmures oui. qui troublent mon sommeil, entre parenthèses, malgré la musique imprégnée, me réservant une journée dure. Mon expérience avec toi est émaillée de meurtrissures, c'est pas trop fort ça. Si. Tu n'es beau que rein mort dans un tas d'ordures. Oui, ça c'est méchant. C'est toute ma haine pour les moustiques, ils ne sont pas gentils. Mais le mot est lâché. Mais voilà. La haine. Ben oui, ils ne sont pas très gentils, eux. Et plus tard, en fait, dans le poème, quand même, j'aborde un thème assez important. Et en fait, là, on a plus. Excusez-moi, on a combien de strophes? On a 8 strophes. Non, un peu plus que cela. C'est carrément un mini livre sur les poèmes. Ah, sur les moustiques. Sur les moustiques, pardon. On a 61, 62, 63, 64. Absolument. Et comme je le disais, je crois, à la 6e strophe, j'ai quand même abordé un thème assez important, celui du paludisme. C'est l'anophèle qui donne le paludisme. Exactement. Et c'est vrai, au-delà de cet aspect comique, je touche du doigt un sujet de société. Et le paludisme n'est pas fait pour arranger quiconque. Donc, si ma plume peut permettre d'attirer l'attention sur ce mal, pourquoi pas. D'accord. Bien, en tout cas, je pense qu'après avoir lu ces 3 pages... De ce poème sur les moustiques. Non seulement quand on lit, on rigole un peu. Et puis on se dit, ah oui, c'est vrai, il a raison. Oui. Et bon, enfin, même si... Enfin, bon, cela devrait permettre accentuer la lutte. Absolument. Parce que vous décrivez, vous dépeignez en fait la souffrance de pas mal de personnes qui souffrent de cet être minuscule. Pour reprendre vos propos, tu as tout gâché. Oui. Enfin, c'est pas vous, non. Mais c'est ce que vous écrivez. Oui. Et là, il s'agit ici de cette scène entre un homme et une femme. Cette femme qui se sent diminuée par son homme. Cette femme qui, au lieu de retrouver l'amour et la chaleur d'un foyer, se retrouve face à un bourreau. Et elle a envie de dire, de lui crier au visage qu'il a tout gâché, qu'il a tout gâché de cette relation magnifique. Et toujours. Je finis par dire que de façon coquine, ils vont... enfin se retrouver dans la chambre et on sait ce qui s'y passera. Alors, réconciliation totale. En tant que femme, en tant que femme qui prône un peu le leadership des femmes, j'ai aimé I'm Supernatural. J'ai aimé, je suis surnaturelle. Mais j'aimerais plutôt qu'on s'intéresse à c'est la faute au soleil, à la page 87. Oui. Pourquoi? Parce que c'est une thématique très importante, oui. Sur les gaz à effet de serre, le constat de la disparité de notre flore ici en Afrique, le grand astre fiévreux à 2000 degrés, il bouffe. Et c'est aussi un thème important que j'aborde, je vous l'avais dit, celui de la dépigmentation. Alors, celle qui se dépigmente a envie de faire comprendre à ceux qui la critiquent qu'en fin de compte, ce n'est pas vraiment sa faute, c'est la faute au soleil. Donc on a plusieurs angles sur ce poème. Absolument, c'est la faute au soleil si elle n'a pas son teint d'origine, c'est la faute au soleil si elle se retrouve noire pendant qu'elle est peut-être bronzée de nature. Et on va pas dire que c'est la faute au soleil si le docteur Jen ne rentre pas maintenant. On va le faire. Notre ami a pour maître et mentor Baudelaire. D'accord. Et, qui lui-même s'appuie sur Edgar Poe. Exactement. Et donc, elle fait une œuvre qu'elle ne lit pas forcément à l'œuvre poétique que Baudelaire a écrite, dont le titre est Élévation, mais elle se retrouve dedans. Ça l'inspire. Ça l'inspire. J'aimerais avoir votre regard sur cette œuvre, docteur. D'accord. Merci bien, madame. Oui. Merci, Christelle. Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue sur cette. Sur cet espace de poésie. Nous sommes au lieu en poésie, après avoir parcouru des livres dans tous les sens. Romans, et il me plaît justement de rappeler que nous avons ici affaire à un recueil que je qualifierais quelquefois de poésie intimiste, mais un peu bourgeois quand même, dans votre approche des notions. Et donc, justement, la question, c'est qu'est-ce que vous faites Quel est l'enjeu majeur de ce poème que vous nous proposez, de ce recueil que vous nous proposez? De cette œuvre-là. Est-ce que c'est la célébration de vous-même? Est-ce que c'est vous-même mise à nu? On revient là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne déjà de ce recueil avant d'aller plus loin? Il s'agit plutôt d'une expression libre. Il s'agit plutôt, effectivement, d'une expression intimiste, mais plutôt libre. En ce moment, j'avais besoin de parler, j'avais besoin de m'ouvrir. Est-ce qu'on est dans la poésie de jeunesse? Donc c'est jeune. Oui, effectivement, je l'ai dit pendant l'émission, c'était pendant ma sortie d'adolescence que j'ai commencé à écrire cette œuvre. Alors vous n'avez pas eu l'envie de revisiter certains vers, vous avez voulu la livrer telle quelle?
telle qu'elle, parce que je suis sincère et j'ai envie de donner ce que j'ai, et même ce que j'ai eu, je n'ai pas honte de ce que j'ai été. Mmh. Je me suis dit, donc, pourquoi pas, allez, on va y aller, même si parfois c'est empreint de naïveté, d'ingénuité. Je dis, on y va. – D'accord, alors vous sortez, donc, je suppose, des classes des années lycée. Oui. Vous êtes pages, encore influencé, nous sommes à la page 13. Vous êtes encore très influencé par les études de lycée, notamment la poésie de Baudelaire, et la fleur du mal, et vous choisissez le sonnet. Pourquoi le sonnet ? Pourquoi le sonnet ? Parce que dans le sonnet, il y a ce contraste que j'ai toujours recherché, contraste entre liberté et contrainte, parce que le sonnet, vous le savez, est rempli de respect de règles, le type de vers à écrire, les rimes à choisir, etc. Et puis, j'ai envie de dire, dans ce canevas très restreint, il me faut, moi, m'exprimer et dire toute l'étendue de mon ressenti. Je me suis dit, c'est exactement ce que j'aime. J'aime même voir compter les syllabes, parce qu'il fallait que je fasse des alexandrins. Tout cela, c'est tout ça, en fait, qui m'a... Wow. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction, justement, dans ce désir de liberté, d'aller se contraindre avec des règles? Oui, c'est exactement ça que j'aime. Et c'est la difficulté, c'est tout ce contraste, ce paradoxe là que j'ai aimé. Je me suis entichée de cela, et c'est ce que j'ai aimé, justement, Charles Baudelaire. Alors, les 53 poèmes que vous nous proposez, en termes de sonnets, il n'y en a que 7. Oui, merci docteur. Finalement, il n'y a que 7 sonnets. Oui, finalement. Alors qu'elle aime ça, il y a une passion. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction avec le choix? Finalement, ça rime avec la recherche du contraste. Il y a un contraste partout, finalement. Je me livre librement dans un canevas restreint et en même temps, Est-ce que vous racontez les filles un peu la difficulté que vous êtes imposée? Est-ce qu'il n'y a pas une fuite en avant? Non, il n'y a pas de fuite en avant. Elle essaie d'aller rapide, n'est-ce pas, d'une volonté? Oui, exactement. On s'attendrait à voir des sonnets partout dans l'œuvre. Parce qu'en plus, votre préfacier, je le prends au mot, à la page à la page 11, la plupart des poèmes qui tissent la couronne d'élévation sont donc des sonnets. Oui. Et je compte 53 dans poèmes. Dans l'œuvre, on n'en a pas. Oui. La plupart. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un leurre? Non, il n'y a pas un leurre. C'est plutôt la volonté de rester dans l'esprit de la liberté. Je l'ai laissé écrire sa préface comme il la sentait. J'ai bien vu. Même si ça allait un peu en porte-à-faux. En porte-à-faux, avec presque. En porte-à-faux ou presque, parce que n'oublions pas que nous restons toujours dans la recherche du contraste, donc du paradoxe. Il est vrai qu'il n'y a pas assez de sonnets, mais s'il se plaît à le dire, pourquoi pas? D'accord. Alors, on ne va pas mentionner son nom. Alors, je souhaite... Donc, dans ce paysage, dans cette œuvre, je suppose que vous êtes encore à la recherche de la forme. Oui. OK. Vous oscillez entre des formes classiques, sonnets, etc., et des formes libres, parce qu'il y a beaucoup de poèmes en forme libre. Exactement. Mais vous restez très attaché au vers et la versification. Oui. Alors, est-ce qu'on peut voir ensemble votre célébration de l'amour? On repart à la page 20. À la page 20, vous nous dites « Je veux qu'on m'aime ». Oui. Mais alors, dans votre volonté d'aimer, vous dites… Dans sa volonté d'être aimé. Dans sa volonté d'être aimé. Alors, vous me semblez très porté sur le regard, vous me semblez vouloir en permanence être sous le feu de la rampe et qu'on m'ovationne à chacune de mes réflexions. Oui. La célébration du soi. Non, pas. Est-ce que ce n'est pas un peu narcissique, madame, de vouloir qu'on vous ovationne à chacune de vos réflexions? Ça a tout l'air. Mais c'est quand même une célébration que je demande d'une personne en particulier. Quand même, je peux l'obtenir. Ce n'est pas méchant de le demander. Oui, mais marqué dans une œuvre, on a l'impression que cela doit venir de tout le monde. Oui, parce que l'œuvre, dès que vous la lancez dans elle appartient. Elle ne vous appartient plus, madame. Oui, chacun s'en fait une opinion. Bon, d'accord, je suis bien d'accord avec vous. Il me semble que vous narcissisez un peu plus. Parce que vous avez bien le néologisme, vous êtes un peu narcissique. Quand vous ovationne à chacune, vous êtes précise, à chacune de vos réflexions. Ça ne va pas finir, finalement. Docteur, devrions-nous faire une pause et l'ovationner en ce moment précis? Par exemple, ben ça nous volerait quelques minutes dans notre sens, qu'on n'en a pas beaucoup. Alors, parfois j'ai besoin de toi. Page 75. Je vais un peu vite. Oui. Alors, la nuque contre le polochon, mon corps oisif est dans mes draps nus, en mal et soif sèche de tes lèvres charnues, coupées de tout, au confort de mon fief, j'ai des envies de cochon. Oh là là. Alors, le titre, c'est
parfois j'ai besoin de toi. Vous n'avez pas besoin toujours de lui, c'est parfois. Oui, parfois. Vous relativisez. Oui, est-ce que vous vous suffisez? Non, non, j'en souffrais, mais arrivé un moment, il fallait que je dépasse ces situations. Ce toi en question n'était pas là. Il fallait bien que je vive sans lui. Donc parfois, il me revient que j'ai besoin de lui. Non, mais parfois, la question qu'il a posée est très précise. Il a demandé, est-ce que vous vous suffisez? Non, pas du tout. Comme je l'ai dit, c'était une situation que je vivais. À un moment, il fallait la dépasser pour continuer à vivre. Effectivement, j'avais tout le temps besoin de lui, mais il fallait que je dépasse cette situation pour continuer à vivre. Est-ce que penser à quelqu'un, ça envoie, ça se laisser submerger par ce ça intérieur, et au point qu'on a des envies de coucher. De ça, il faut préciser le ça intérieur. Le ça, tout le gouvernement intérieur que les philosophes étudient et qui semble vous submerger ici en l'absence de l'être aimé. Oui, un peu. C'est ce qui m'arrivait en ce moment précis où j'écrivais le poème, mais là, en ce moment, non. Bon, en fait, donc, dans ce poème, c'est vous. Oui. Quand vous dites « je me serre les jambes pour museler mon désir de toi ». Est-ce qu'il n'y a pas un peu de luxueux et de luxuriance un peu dans ce effectivement, il y en a à volonté, parce que l'univers sexuel est pour moi très poétique. Il a un champ lexical poétique. Et pour moi, ce n'est pas forcément un thème que j'aborde, c'est un prétexte. Est-ce que vous n'êtes pas au paradis, vous n'êtes pas à l'encontre, n'est-ce pas, de certains libertinages Du tout. Alors que je suis plutôt très puritaine. Et pour ceux qui m'ont lu, ils ont été un petit peu interloqués. Madame la très spirituelle, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'avais juste. Si vous vous dévoilez, en fait. Alors, allongez la page 26, vous dites arrose-moi. De quoi vous arrose-t-on? Alors, arrose-moi de tes maigres ruisseaux de larmes. De tes maigres ruisseaux de larmes. Est-ce que c'est suffisant pour arroser? Non. On est toujours dans le contraste encore. Oui, c'est une image, une sorte d'oxymore pour dire que je suis prête à recevoir toutes sortes d'épanchements de la part de cette personne à qui je m'adresse. Je suis entièrement disposée à l'écouter. Alors justement, dans le dernier tercet, vous dites « je suis l'idéal d'amour que tu viens atteindre ». Alors vous vous posez en l'idéal d'amour. C'est pas un peu mais donc sans même qu'elle puisse répondre, elle dit, dernière phrase, « fais de moi cet hôtel ». Le mot est fort. Ou purifier ton cœur. Ou purifier ton cœur. Vous vous sacralisez pratiquement, madame. Non. Fais de moi un hôtel et je suis l'idéal d'amour. Exactement. Oui, bon, on ne va pas lire cela forcément ainsi. Je parle d'hôtel pour dire que... Ah non, on ne le lit pas ainsi. On lit les phrases. Non, on ne va pas l'interpréter ainsi. Il ne s'agit pas forcément de me sacraliser, moi, mais plutôt de permettre à cette personne qui a envie de s'exprimer de le faire, comme s'il le faisait presque à l'être suprême. Quand on parle à l'être suprême, on parle avec liberté, on s'ouvre à lui. Et c'est exactement cette invitation que je fais vous à vous cette personne. Vous mettez-vous égalé? Du tout. Ce n'est pas dans ce sens que Parce que ça tendrait à être un blasphème. Non, c'est une invitation, en fait. J'ai envie de dire à la personne qui a envie de se confier à moi, de le faire en toute liberté, sans se dire que je vais la juger. Voilà, vas-y, je n'ai pas d'idée préconçue, parle-moi, je ne te jugerai pas, je vais plutôt t'écouter, je vais t'aider. D'accord. En même temps qu'on a tout ce bouillonnement intérieur, il y a des petits thèmes assez quotidiens. Mon stylo, mon stylo, tout simplement, page 36. Tu fais beaucoup pour moi, tu m'envoies sur un bout de papier. Alors, vous allez jusqu'à célébrer l'objet? Oui, pas l'objet, mais plutôt ce à quoi il me sert. Mon stylo, à un moment de ma vie, était vraiment important, il était essentiel, il était crucial, parce qu'avec lui, je pouvais parler, au travers de lui, je parlais, Le stylo en tant que le vecteur de l'écriture, donc votre ami qui vous aidait à une certaine catharsis, à vous libérer. Et nous sommes en fin d'émission, docteur. Merci. Alors, moi, je vous dis tout de suite que ce petit recueil... En définitive, ce petit recueil de poèmes est bon. Je le conseillerais volontiers aux adolescents qui sortent de tourbillon de l'adolescence, qui se cherchent, parce qu'ici il y a une recherche à la fois thématique, une recherche formelle, mais l'auteur, comme elle a dit, a écrit un poème dans cette période-là, assez troublée que tous les jeunes connaissent, et elle a réussi à travers le vers, à travers l'écriture, à se retrouver et à se tirer d'affaire. Je pense que c'est un bon livre qu'il faut conseiller. Exactement, je suis d'accord avec vous. Un très bon livre qu'il faut lire au soir, avant de coucher. Voilà, feuilleté avec une lampe de chevet. C'est ça. Ou voilà, vous mettez une lumière pas assez forte. Enfin, attention aux yeux quand même. C'est ça. Et vous lisez ce poème-là. En tout cas, félicitations, Colette. Merci beaucoup. C'est votre première œuvre. Oui. Voilà. Hormis donc la petite, peut-être, célébration. Du soir. Un peu massive, elle a dit. Du soir. Très romantique. Mais chacun peut se retrouver dans ce jeu. Absolument. On peut se retrouver dans ce jeu. Donc, allez-y à profusion, dégustez-le. Vous ne serez pas déçus. On se retrouvera donc jeudi prochain pour une autre émission de Entre les lignes. D'ici là, excellente soirée à vous. Bonsoir.